Bienvenue au Stade de France, Fabien Galthié, bonsoir. Bonsoir Mathieu Latour, bonsoir à tous. Alors pour cette finale de championnat, Toulon est donné grandissime favori, Castres est qualifié de petit pousset, mais vous me le rappeliez tout à l'heure, une finale se passe rarement comme on l'a prévu. Et oui, parce qu'il y a une donnée qui est la donnée émotionnelle. Ce match est l'aboutissement d'une saison, parfois d'une carrière de joueur de rugby, pour venir ici, chercher ici le Saint Graal, c'est-à-dire ce bouclier de Brennus. Et parfois l'émotion, ça sublime le talent, parfois ça l'inhibe. On ne peut pas le savoir avant le coup d'envoi, la réponse c'est tout à l'heure. Le bouclier de Brennus est là, il est en train de faire le tour du Stade de France, présenté au public venu nombreux ce soir, plus de 10 000 supporters castrés, à peu près la même chose. Dans le camp toulonnais, chaud d'ambiance ce soir avec des conditions de jeu idéales. On va découvrir tout de suite les acteurs majeurs de cette 114e finale de Coupe d'Europe avec la composition.